Abonné à la rue, tu peux pas nier, on a les mêmes bœufs. Wow, j'pète le son dans la caisse. Gas, reine, wow, me dis pas ce qui se passe dans la tête. J'presse, wow, et tout chez nous on vit dans la tête. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'assez. Chéquipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu dis. Wow, bon, on va recommencer. Chéquipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu dis. Allez l'équipe, comme d'hab dans cette vidéo, je grosse passe entre hier soir aujourd'hui. Je te mens pas, l'actu elle est vraiment longue, donc je t'invite à la regarder en entière pour tout comprendre. N'hésite pas à mettre absolument un petit commentaire, on commence à cliquer tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo d'actu du dimanche, on a Medine qui a répondu à un pic d'un fan, qui a réagi à une vidéo de lui et de son fils. Et en gros, le fan il lui a dit, tu frappes et traites ton père de connard, si jeune en plus. Eh ben... Et comme tu peux le voir, en fait, Medine l'a repris, lui a répondu sur Twitter directement. Il a dit, déjà, c'est Kounard précisément. Et on a la version meuf aussi pour l'éducation à la parité. Kounas. Donc voilà. Et c'est sa réponse justement par rapport à cette vidéo. Regardez. Va falloir couper, hein, je te le dis, va falloir couper. Comment ça, couper? Bah, va falloir couper une bêche, tu vas finir comme ma poubelle. Ouais. Tu vas finir... Ensuite l'équipe, on a Marc Blatak a publié une vidéo d'un transgenre qui aurait eu des relations avec Booba. Et c'est en réponse à tous les pics que Booba lui a envoyé ces derniers jours. À lui et sa femme Nadé. Bref, regardez. Coucou, c'est Victoria Dorval. Bah alors Booba, tu t'es fait terminer par Marc? Marc Blatak? Qu'est-ce que ça m'a fait rire? Bah en fait il a raison, il dit toute la vérité. T'as une relation avec moi d'un soir. Et puis tu m'as reproposé un soir. Et j'ai refusé, rappelle-toi. Et en plus de ça, tu fais trop ton voyou, tu vois. Parce que, au fond, avec tes montes en toc, Marc Blatak, c'est là. Et toi, c'est vraiment là, tu vois. Tu montres des montres de AliExpress, tu vois, je veux dire. Je sais pas ce que ça va dans ton sens, en fait. Ton bling-bling et tout ça, tout est faux. Donc il faut assumer, tu vois. Assume que tu t'amuses avec les transgenres, tu vois. Allez, bisous à tous. Ensuite, il y a Nadé, la femme de Marc Blatak, qui a laissé un message à Booba et à Marvin, qui ont déclaré de gros dossiers sur eux. Et ben la femme de Marc Blatak, en gros, elle est pas contente par rapport à ce qu'ils ont déclaré. Et elle a écrit, je comprends que l'image que vous vous donniez est aux antipodes de ce que vous faites de vos nuits. Mais s'attaquer aux femmes car vous les détestez et surtout car vous avez peur de la répartie de mon mari fait encore moins de vous des hommes. Donc voilà. Et Booba, justement, il l'a repris, il l'a remis en story en disant, depuis quand les Lémuriens sont des femmes? Go sur l'oiseau bleu, gros feat avec Nino à Skip. Et en fait, il fait référence par rapport à cette publication où en gros, bah, il a piqué Nino, Kobanadé et la femme de Marc Blatak. Et il a écrit Eni, Kobanadé, c'est fait. Donc voilà. Et Kobanadé, t'as capté, Eni, Nino. Ensuite, on a également Marvin qui a répondu à Nadé et à Marc Blatak en vidéo. Et il les a menacés de publier des conversations téléphoniques qui pourraient briser leur couple. C'est vraiment un truc de fou. Bref, regardez. Donc moi maintenant je suis une photocopie Wish de Blatak. Moi maintenant je suis une photocopie. Moi je suis une photocopie Wish de Blatak. Ah, réveille-toi s'il te plaît. T'as vu, même toi tu c'est impossible, tu crois à ton mensonge là. Je sais pas ce qui t'a pris. Et ouvre bien les yeux, enlève le caca qu'il y a dans tes yeux, regarde bien ton mari une bonne fois pour toutes et reviens sur tes propos. T'as vu, c'est insultant. Maintenant, pour en revenir aux Lémuriens, je vais te terminer tout de suite parce qu'on dirait que t'as la mémoire sélective. T'es courte, je sais pas. Peu importe, je vais te la raviver bien comme il faut. Tu te rappelles pas quand ton mari il était à la Terrazza, à Gelti, à Jumeirah Lake Towers, que t'étais à ma table, que je te racontais des histoires fantastiques interdites en moins de 18 ans? Hein? Comment c'est même pas? Oh, c'est Ramadan! T'as vu, je suis pas dans ce délire là d'hypocrisie. C'est Ramadan, pas Ramadan, t'as vu, moi je suis moi-même, t'as vu? Jamais été dans ce délire de commencer mes snaps en disant ça va, la famille, j'espère que vous allez bien. Jamais été dans le délire de snapper mon tapis de prière pour vous montrer que je prie. Jamais été dans le délire de montrer des mosquées pour montrer que je vais à la mosquée. Ah, t'as vu, tout ça, c'est eux pour attendrir les gens, pour attendrir les cœurs, pour pouvoir vous la mettre plus facilement. Vous voyez, c'est un truc de ouf. C'est comme l'histoire du conte là, d'Abza là, que Zarma elle balance des trucs, mais en fait, c'est eux derrière, que c'est un tel et un tel qui paye pour que non, sors pas ça sur elle, mais sors ça sur ci. Et on connaît. Et après, le lendemain, salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Arrête, s'il te plaît. T'as vu, arrêtez. Maintenant, si t'as pas envie que je commence à demander à des personnes vraies, t'as vu, qui portent le hijab, pas le hijab décapotable. C'est que dans mon casier judiciaire, il y a tout sauf tapeur de femmes. J'ai jamais tapé une femme, jamais pas une seule. Tout ce que vous pouvez dire, vous pouvez aller demander à n'importe quel ex si ça. Jamais tapé une femme, t'as vu, faut arrêter avec vos conneries là, tout le temps de radoter des trucs. Ouais, un bodybuilder, un scoreboy. Ah, vous radotez depuis 6 ans, frère. Oh, faut trouver d'autres choses. Hey, ça fait 6-7 ans, on trouve autre chose. Alors, tapeur de femmes, bodybuilder, scoreboy. Mais à la fin, là, cette personne-là, vous bouffiez le chibre quand il était à Dubaï. Hein?
et en face de moi, si on, un jour on se voit en face. Inch'Allah, c'est tout ce que je souhaite. On sait comment ça va se finir. On sait comment ça va se finir. Au commissariat, parce que vous allez plainter. Donc arrêtez. Arrêtez. Femme forte, pas. Arrête ta gueule un peu. Ferme ta gueule. Ta gueule, franchement, ferme ta gueule. Et l'autre, il a même pas honte de te laisser prendre la parole. Fermez-la, 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 fermez-la. Aujourd'hui, c'est votre jour. Commencez à sortir le livre des comptes, là. Commencez à sortir le livre des comptes. Je veux voir tout ce que vous touchez, là, de la part de Shawna Evans et de Wee Evans depuis des années. Ah, parce qu'ils se font payer tous les mois par Wee Evans et Shawna Evans. Faut le savoir, ça. Commence à sortir aussi la somme que t'as touchée, là. La somme astronomique que t'as touchée pour la fermer par rapport à l'histoire de Carla et Kevin. Hein? L'histoire de ce rôle qui est véridique. Hein? Et t'as préféré te taire plutôt que d'éteindre la terre entière. T'aurais pu éteindre tout le monde, tout le monde, toute la télé, t'aurais pu l'éteindre, tu l'as pas fait. Pourquoi? Pour de l'argent. Toi, tu veux faire le croyant, tu veux faire le religieux avec moi? Toi aussi, tu veux faire la religieuse, toi? Je vais vous éteindre tout de suite, là. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Sortez ce que vous voulez, hein. Photo de chibre, tout ce que tu veux. Je peux même te l'envoyer parce que je sais que t'aurais voulu le voir un jour ou l'autre. Y a aucun souci, vraiment. En 4K Full HD. Vous êtes pas prêts. C'est mon dernier message, t'as vu l'année dernière? Latus, arrête de parler avec ta femme. T'as appelé le frérot du 19. Pour savoir s'il y avait vraiment des messages, etc. Tu voulais lâcher un plata. Après, t'as dit non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, je demande de l'argent aux gens, il va pas me faire. Au final, t'as vu, j'ai rien pris. Là, je peux te jurer sur la tête de ma mère que j'ai un audio d'une personne qui était présente, qui me demande de rien dire parce que je vais détruire un couple. Je l'ai l'audio tout de suite, là, elle vient de me l'envoyer. Là. Si tu veux savoir c'est qui, tu demandes à Nadé, regarde, elle vient de le suivre. Ah là là, bah tu vois, suite à ça, Booba, il a directement réagi en story et il a laissé un message à Marvin en disant Marvin, quel bail. Et juste après, il a écrit. Quel bail, envoie, go l'oiseau bleu, trois petits points. Donc voilà. Et je pense que Marvin, il lui a envoyé, puisqu'en fait, Booba, juste après, il a mis une story en disant « Marvin, c'est trop pour moi, j'ai peur de poster, ils vont me faire de la sorcellerie. Sound off. » Et en fait, il a mis le son en off, et il a juste mis la vidéo sans qu'on l'entende, t'as capté. Mais il prouve comme quoi il a bien reçu la vidéo de la part de Marvin. Ensuite, on a Marc Blatta qui a inventé une histoire entre Booba et Maeva Ghennam. D'après lui, quand Booba, il était en soirée à Dubaï, lors du clash contre Sadek, et ben Booba, il aurait voulu finir sa soirée avec Maeva. Sauf que Marc Blatta, pour le coup, il raconte vraiment n'importe quoi, car en fait, cette histoire, elle avait fait polémique à l'époque, et Blatta il avait expliqué que Maeva était en couple avec une personne et qu'elle avait rien tenté avec Booba, et il l'avait fait en vidéo et ça date de quelques mois. Bref, donc cette rumeur c'est juste un truc qu'il a inventé. Vous êtes des ouf, vous. Elle a dormi où Maeva? Les gens ne peuvent plus vivre leur vie. Maeva elle a dormi avec son chéri. Maeva elle pouvait pas conduire, donc j'ai pris sa voiture, j'ai conduit et elle est rentrée avec son chéri, et moi mon beauf il a conduit ma voiture. Et suite à ça, Booba il a laissé un message à Maeva Ghennam en publiant une vidéo qui est cachée justement par le message de Booba. Et on peut voir qu'il a écrit Maeva, je vais pas poster ce que Blatta m'avait envoyé, mais sache qu'ils ne te veulent pas du bien. Trois petits points. Donc ouais, d'après Booba, en gros, il a reçu plein de trucs de la part de Blatta et de sa femme sur Maeva Ghennam, tu vois. Et ben, suite à ça, Maeva Ghennam, en fait, elle s'est désabonnée de Marc Blatta. Sachant que de base, elle et Marc Blatta, ils sont amis et ils sont en guerre contre Booba, tu vois. Donc là, vraiment, il a réussi à les séparer et ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, l'équipe, on a Shai qui a ouvert un pop-up store à Paris et on peut voir apparaître la date du 29 avril. Donc c'est sûrement un album ou un clip qui devrait arriver à cette date. Ensuite, l'équipe, il y a SDM qui a réalisé un concert gratuit à Nanterre et il en a profité pour inviter un jeune fan sur scène. Encore respect à lui, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Regardez. M'avoir fait monter deux fois sur scène et puis je t'aime, voilà. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Quoi, t'as peur de l'autre, on est tous des terrestres. Ici c'est la haine qui vient gâcher tes rêves. J'ai trop la dalle pour me contenter des restes. À part l'argent, y'a peu de choses qui m'intéressent. On se met sur tes côtes, ça risque d'impacter tes rides. L'important c'est comment t'atterris, on bande pas sur les riches. Voilà, qui se passe entre rire sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser le coup trop tendu. C'est pas mettre un petit bleu, tiens, les référencements, t'as pas dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas une mettre un commentaire qui m'a un autre pire, c'est juste pour référencement. Ouais, vas-y, tu sais quoi, on la laisse. Et tu sais quoi, la vidéo elle est déjà assez longue comme ça. J'ai pas de casser les couilles trop tendu. Comme d'hab, je te dis à soir pour une même croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Là, je suis vraiment parti loin dans l'actu. Vas-y, c'est écrit. Abonné à la rue, tu peux pas nier, on a les mêmes bleus. Wow, je pète le son dans la caisse. Gas, reine, go. Dis pas ce qui se passe dans la tête. Go, je passe. Wow.
tout chez nous, on vit dans la caisse. 300 caisses. Fais divers, tu finis dans la presse.